Bonjour à tous les scorpions, comment allez-vous, chers scorpions? Ici votre horoscope pour le mois du janvier déjà, janvier 2015. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour les scorpions, ça sera un mois assez profond, assez intime, assez, comment je dois dire, authentique. Et normalement, les scorpions, on aime ça. On aime que des choses sont profondes, que des choses sont intimes et tout ça et tout ça. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que il y a beaucoup d'activités dans votre quatrième maison. Et la quatrième maison, c'est de votre horoscope, c'est le point le plus bas. Donc c'est votre roots, c'est votre corps, c'est votre... parfois, ça veut dire votre maison. Donc beaucoup d'activités là-bas, ça veut dire que Mercure va être rétrogradé dans cette quatrième maison. Et Mercure, ça c'est la planète de pensée, ça c'est la planète de la communication. Donc ça veut dire que vous allez réfléchir beaucoup. Et de quoi réfléchir? De quoi? Eh bien, de soi-même peut-être, mais aussi de votre roots. Donc, si vous êtes une personne avec des... peut-être que vous avez de la famille qui habite très loin de vous, c'est le moment pour connecter avec eux. Et ça sera probablement très agréable. C'est aussi une période, peut-être vous allez prendre un album et voir des photos. Et avec un peu de la nostalgie, quoi, mais aussi de savoir, ah, ça c'était ma passé, et ça a été important pour qu'est-ce que je suis maintenant. Donc c'est moi qui est plutôt psychologique, plutôt profond, pas très à moi de faire des choses de très ouvert et extravert, non, c'est possible, mais le plus important pour vous maintenant, pour le mois du janvier, c'est de réfléchir de soi-même et aussi de savoir ce qui vous étiez dans le passé et que ça, et les changements que vous avez eus pendant des années et des années, ça veut dire que vous êtes devenu maintenant la personne que vous êtes et ça c'est très bon. C'est un peu à moi avec beaucoup de healing énergie. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais c'est healing de l'âme, je crois, pendant le mois du janvier. Donc profitez-en, chers scorpions. Je vous souhaite un bon mois et à la prochaine. Au revoir.